Météo, vent fort et chute de pluie jusqu'à la fin de la semaine, quelles sont les régions les plus touchées? Une baisse des températures et un retour des intempéries ont suivi la récente vague de chaleur, touchant principalement la grande moitié nord du pays depuis lundi. La dépression Renata a aggravé la situation, apportant des vents violents dépassant les 100 km/h sur certaines régions, ainsi que des pluies parfois orageuses. Le vent reste fort dans le sud, avec des rafales atteignant jusqu'à 80 km/h à Perpignan. Les températures resteront modestes, ne dépassant pas les 20 degrés, bien que Nice et la Corse puissent atteindre 19 degrés. Météo France prévoit des averses sur un quart nord-est mercredi, mais le temps devrait s'améliorer par la suite avec des éclaircies dans la plupart des régions. Jeudi, des averses orageuses sont prévues dans le centre et l'est de la France avec des températures maximales autour des 16 degrés. La fin de semaine sera perturbée dans la moitié nord, tandis que le printemps s'installera dans le sud, accompagné d'une remontée des températures, en particulier sur la côte méditerranéenne.